Hello tout le monde, comment vous allez? On regarde cette belle surprise là et on revient. Bienvenue chers abonnés, je suis tellement content aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point je suis très 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 content. Trop content même. Parce que ça a existé il y a des années et puis on dira il y a plus de 10 ans qu'on n'a plus entendu ces deux-là sur une même musique. Et franchement, ils nous font l'honneur de nous sortir ça bientôt. Je sais pas si je dois leur dire merci, si je dois leur dire je suis content, si je dois leur dire je suis heureux, mais franchement, imaginez le boom que ça va faire. Imaginez vous-même le boom que ça va faire. Sidiki Diabaté featuring Iba One. Iba One featuring Sidiki Diabaté. Parce que jusque-là, je ne sais pas si le son sera passé sur la chaîne de Sidiki Diabaté ou sur la chaîne d'Iba One. Tout qu'on fait, peu importe, nous, c'est la musique là qu'on veut écouter. C'est ce clip-là qu'on veut voir. Normalement, moi, je peux vous prédire que à la sortie de ce morceau, ça sera le million de vues en moins de 24 heures. Parce que c'est quand même deux grands groupes de fans. Suis un morceau, deux grosses pointues de la musique malienne. Suis un morceau, des musiques, Sidiki Diabaté et la team Gladia Diba One. Franchement, c'est pas comme je dis ça, ça ne s'explique pas. À la sortie de ce morceau là, vous allez comprendre en fait. Parce que Sidiki Diabaté et Iba One, c'est toute une histoire. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est une très 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 belle histoire entre grand frère et petit frère qui ont débuté la musique. Qui se sont séparés par rapport à certaines choses de la vie, qui, Dieu merci, avec la grâce de Dieu, se sont réconciliés, qui sont de bons thèmes et qui nous décident et qui décident de nous offrir ce cadeau-là. Il n'y a pas plus beau cadeau que cette chanson-là. Depuis que Sidiki Diabaté et Iba One sont réconciliés, il n'y a pas plus beau cadeau que ça. Voilà. Donc, je fais cette vidéo-là déjà pour nous dire que Iba One a publié ça il y a quelques heures. Donc, moi, je viens relayer pour vous dire de vous apprêter. Que ce soit les fans de la D-Musique de Sidiki Diabaté, que ce soit les fans de la Team Gladia. Vous, franchement, je ne maîtrise pas bien les fans de la D-Musique, mais la Team Gladia, il n'y a rien à dire. Supporter artistement, vous êtes fort dedans. Voilà, c'est côté YouTube là, on n'a pas encore vu le secret, puisque jusque là, je n'ai pas encore eu accès à la chaîne YouTube de l'artiste pour voir ce qui ne va pas, parce que normalement, avec votre dévouement, l'artiste devrait être l'un des artistes africains à atteindre rapidement le million de vues en 24 heures. Mais ça va se faire. Et petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais pour l'heure, c'est de ce featuring là qu'il s'agit. Sidiki Diabaté chante avec son grand frère Iba One. Ah! Et puis regardez vous-même la mélodie. Ça c'est un petit aperçu. Et bizarrement, le petit aperçu, le grand frère met le petit frère à l'honneur. On écoute le couplet de Sidiki Diabaté. Donc imaginez maintenant le couplet de trucs de Iba One. Et ce qu'il faut, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est vrai à dire, c'est que c'est juste le morceau plat. Voilà, je pense que c'est la maquette. Il n'est même pas encore masterisé, il n'est pas encore mixé. Donc ça promet de ouf. Ça sera un truc de balèze, un truc costaud. Pouah, vous savez pas comment je suis content. Non, bon, Gladia et la D Music Fan, dites-moi, est-ce que vous êtes content comme moi? Est-ce que vous êtes en joie comme moi? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que votre cœur se réjouit comme moi? Parce que c'est historique. Il y a eu trop de palabres, trop d'incompréhensions, ces deux-là.
entre ces deux frères d'un même pays, d'un même continent, qui n'est autre que l'Afrique. Ipa One, Sidiki Diabaté, c'est une longue histoire, une belle histoire. Mais comme on dit, l'amour triomphe toujours. Comme on dit, Dieu a toujours sa main dans tout et c'est lui qui décide de comment les choses vont se passer. Aujourd'hui, ils sont de bons thèmes, tellement de bons thèmes, ils disent bon, il y a longtemps on dit que par là, ben, fini, hein. On a qu'à faire un truc pour nos fans. Et ce serait un truc grandiose. Pour ce que j'ai écouté là, imaginez ce morceau-là, masterisé et mixé. Bien masterisé. Franchement, ça va cartonner de ouf. Donc, cher Gladia, chef fan de Sidiki Diabaté, il faut vous apprêter. Il faut vous apprêter. On doit remuer la chaîne YouTube sur laquelle ce morceau-là sera diffusé. Que ce soit pour Sidiki Diabaté ou que ce soit pour Iba Wano. Quand il nous donne la date, hey, on doit faire la magie. Vous vous rappelez de ce que DJ Arafat et sa Chine ont fait sur Moto Moto là, non? 2 millions de vues. Plus de 2 millions de vues en 24 heures. C'était DJ Arafat seulement. Et là, on parle de deux gros DJ Arafat du Mali. Sidiki Diabaté et Iba Wano. C'est pas quelque chose qui doit s'expliquer. On doit prouver ça. Maintenant, puisque DJ Arafat lui a fait 2 millions de vues en 24 heures, je pense que les deux là associés sur ce morceau-là méritent de faire 3 millions de vues. C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. Il faut partager simplement massivement. C'est-à-dire, s'il y a 100 000 vues en 5 heures de temps ou en 2 heures de temps, il faut que 50 000 personnes partagent au moins dans 10 groupes Facebook, dans 10 groupes WhatsApp, dans les contacts Messenger. On doit partager ça massivement. Parce que ce featuring là, c'est un événement marquant. Voilà, il y a trop longtemps qu'on n'a pas entendu Sidiki Diabaté et Iba Wano sur une même musique. Donc moi je suis tellement heureux, tellement content de ça que je fais cette vidéo là déjà pour apprêter la fanbase de ces deux artistes là pour dire qu'on doit faire boum. On doit faire boum. On doit même pas s'amuser. Voilà. Et rassurez-vous, ça ne sera pas le dernier. Ça ne sera pas le dernier featuring. Rassurez-vous. Ce n'est pas une histoire, ils chantent ensemble. Mais non. Mais désormais, là, c'est la même famille. Ils vont cartonner. Ils vont se partager les droits d'auteur de ces musiques-là. Et la vie est belle. Je pense qu'après ces nombreux featuring qui arrivent, après celui-là, ce sera un gros concert. Ce sera un gros concert. Et je vois deux pays. D'abord, le premier concert se déroulera à chose au Mali. Voilà, au stade du 26 mars et au palais de la culture en Côte d'Ivoire. Ça, à ce moment, je suis sûr de ça. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Je suis trop content, vous n'imaginez pas. En tout cas, force à Iba One, force à Sidiki Diabaté. Moi, personnellement, je suis très, très, très heureux de cette nouvelle-là. Et enfin, la magie. Rassurez-vous, dormez tranquille. Finissez de faire votre travail, faites le clip et puis ça n'a qu'à sortir. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'allez pas croire. Voilà. C'était votre MCVT Héritor. Voilà, donnez vos avis en commentaire, donnez vos impressions par rapport à ce featuring là. Est-ce qu'il est le bienvenu? Est-ce que vous êtes content comme moi? Comment vous pensez que ce clip va se comporter à sa sortie? Est-ce qu'on pourra atteindre les 3 millions de vues que je dis en 24 heures? C'est pas impossible. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.